Je suis le prophète Crasso, je m'en vais à Bobo-Dioumé, une chose à la commune de Lukougon, voilà justement pour une séance d'évangélisation avec des enfants de la rue, des enfants de la rue, voilà, des enfants de la rue, des enfants drogués, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la perversion. Voilà, donc je pars maintenant comme ça, nous sommes à Bobo-Dioumé. Lukougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Vous voyez, de Côte d'Ivoire. C'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Je suis rentré hier de mon voyage. Je viens de finir l'émission télé. Je suis en plein d'évangélisation. Pour nous, c'est chaque jour que nous sommes là. C'est un plan que j'ai toujours dans la semaine. J'évangélise au moins, dans le mois, deux fois, où je me rends dans la rue pour faire des dons, pour évangéliser. Parce que j'aime bien l'être humain, créer à l'image de Dieu. Et je pense que nous sommes aussi appelés à annoncer l'évangile à tout le monde. Quoi. Tout le monde. Les gens ont besoin de l'évangile. Voilà. Si de l'autre côté, nous envoyons des gens, il faut descendre aussi, aller même dans les points les plus reculés, tels que les quartiers ici à Bobo-Dioumé, c'est un quartier plus bizarre. Voilà, c'est important pour nous d'y arriver et parler de Jésus. Voilà, donc c'est important pour nous, il faudrait que les gens comprennent. Jésus-Christ est Seigneur et puissant, est capable de sauver encore, est capable de restaurer la vie. Il y a des personnes dont ils ont perdu beaucoup de choses dans la vie. Donc je pense bien qu'il faut les évangéliser, il faut les amener à la conversion, c'est ce qui est important, à la conversion, pour qu'ils comprennent que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est plus devant, c'est devant. Voilà, donc voici un peu. Voilà, donc nous sommes en pleine évangélisation. C'est à Bobo-Dioumé. J'interpelle tout le monde, hein, j'interpelle les hommes de Dieu, nous devons quand même retourner à cette œuvre. C'est pour ça que je suis moi-même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Évangéliser, c'est important l'évangélisation. Voilà. C'est à ça que nous sommes appelés. Jésus dit aller faire des nations des disciples, c'est important. Donc nous avons cette fois-ci ciblé un quartier qui est à Bobo-Dioumé. Voilà. Annoncer l'évangile à des personnes qui ont besoin véritablement de Jésus-Christ, de Nazareth, qui ont besoin de Jésus. Mais Jésus est capable encore de sauver, les gens. Voilà, donc il faut donner la possibilité aux gens d'expérimenter la puissance de Dieu. Voilà, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus, voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Amener les gens à connaître Jésus, véritablement Jésus. C'est important. C'est à Bobo-Dioumé. Voilà, à Bobo-Dioumé. Vous avez de l'autre côté le plateau. Jésus dit dans sa parole, la nuit vient, pendant qu'il est jour, je fais l'œuvre de celui qui m'a appelé, parce que la nuit vient aux personnes de pouvoir travailler. C'est important, important pour nous d'annoncer l'évangile de Jésus, véritablement Jésus-Christ, et d'amener les gens à connaître Jésus-Christ. Comme Jésus, Seigneur, voilà. C'est important. Il faudra retourner à l'évangélisation. Oui, nous nous prions pour avoir assez de moyens pour aider les gens, Vraiment, j'interpelle les hommes de Dieu, nous devons évangéliser. Nous ne nous limitons pas dans les quatre murs, parce que peut-être qu'on a des moyens, des voitures, mais on se voit trop arriver, on ne veut plus descendre dans la rue, ou bien on est carrément en train de dépouiller les gens. Non, ça, nous sommes appelés une œuvre d'évangélisation. Nous devons évangéliser, c'est important. Voilà, c'est important de rentrer, regardez comment. Voilà, c'est important d'aller chercher les brebis, c'est ce que je suis en train de faire. C'est d'aller sauver les âmes perdues. Et c'est important. Voilà. Donc voici un peu le quartier. Vous rentrez dans un quartier un peu bizarre. On va entrer là. Et nous rentrons dans un quartier bizarre, c'est pour aller sauver les âmes. Et c'est important pour nous. C'est important pour nous de sauver les âmes. Voilà. D'avoir affaire à droguer, d'avoir affaire aux bandits, d'avoir affaire aux. Tout le monde pour avoir fait le drogué, pour avoir fait ceux qui sont liés à la drogue, à la perversion. Voilà. Donc on a fait aux enfants qui sont un peu drogués, dans la corde et tout ça. Voilà, donc voici un peu. Voilà, donc nous sommes arrivés et tout à l'heure, voilà, la séance d'évangélisation. Shalom. La prochaine fois, si Dieu permet, on va vous aider. Je suis venu avec les habits, je pars avec ça. C'est parti de deuxième habit.
On a fait aider des gens. On a fait venir de la vie pour être partagé aux gens. Il faut aider des gens. Si tu as deux, trois vêtements, aide des gens. Moi, quand j'ai beaucoup d'habits, je vide ma garde-robe, je partage aux gens. L'église, le chrétien a fait à partager. Le chrétien doit aider. Amen. Voilà, donc je pense qu'on est ensemble. Je vais vous suivre pour la grâce de Dieu. Pour que je puisse avoir un résultat. C'est très important pour moi. Je vais voir des véritables chrétiens. C'est ma prière. Amen. Ça va m'amener à prier pour vous. Ça va m'amener à prier pour vous. Ça va m'amener à vous suivre. Pour que Dieu puisse vraiment vous bénir. Vous êtes appelé à être béni. Voilà. Pas pour suivre des gens. Vous êtes appelé à être béni. À construire un grand foyer, une maison, avoir des affaires. Et ça, c'est important. Seul Dieu peut vous aider à entrer dans cette grâce. Seul Dieu. Amen. Voilà, donc, sur ce, on va se séparer. On va prier. Et puis, je vous confie à la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci encore pour ces âmes qui ont été gagnées. Aide-nous, s'il te plaît, dans ta souveraineté, afin de pouvoir encore les suivre, Seigneur notre Dieu. Les suivre, Seigneur, afin de faire d'eux des véritables chrétiens. Seigneur, merci et les bénis. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, je vous donne, ça c'est vos sucreries. Hein. Je donne ça à Jérôme. Ouais. Vous allez gérer ça. Parce qu'on n'a pas envoyé assez d'eau. Nous sommes au quartier. Non, nous on envoie de l'eau. Quand tu donnes à manger aux gens, il faut d'abord prévoir l'eau. Voilà. On a envoyé de l'eau. Voilà. Je prends.